Hop là. Et merci pour le bon appétit, JJB. L'appétit était léger, mais agréable. Merci tout plein. Ah, en une demi-heure, sachant que j'ai fait un bon entraînement ce matin, je pense que je vais pouvoir atteindre la jungle au moins une fois en une demi-heure. J'y crois. Je veux y croire. Je vais changer de personnage, c'est rigolo. Ce matin, j'avais le petit anglais explorateur là, avec la coiffe bleue. Là, je vais prendre. Lui, ce monsieur au turban rouge, c'est. Wouh! Une éternité que je ne l'ai pas incarné. Et pour ceux qui se posent la question de où était la promenade, c'était au nord de la Lorraine. C'était à Jean-Delincourt, en pleine Cambrousse, dans le bois dit de la Fourasse. Je vous cite de tête le lieu dit. C'est une promenade dont j'avais filmé 2 heures, 2 heures et demie, et puis vous voyez, de temps en temps, je la passerai en petits bouts. Merde. Ce que je viens de faire est ultra débile. Oh là là. Quitte à me péter une cheville. Et pas que. Je vais tenter de. Ah merde. Je pensais pas qu'il y aurait un effet retardement. Au moins j'ai testé. Avec le coup de fouet près de la caisse de TNT. Oh joli! Oh! La mort du serpent. Voilà, qui rira bien, qui rira le dernier. Ce jeu est intraitable. J'espère que la blonde n'était pas au sommet. Une idée de sa localisation. Ah, j'ai entendu le blondinet. Il est quelque part sur la droite. Proche de la sortie, je présume. Mangeaison dans le dos. Oh là là, encore une configuration de what the fuck. Oh là là, comment je fais mon affaire moi? Ah, je vais encore sacrifier le monde. Et une corde. Eh ben dis donc, le blondinet il coûte cher. Encore que non, je suis bête, je viens de faire la démonstration que j'ai pas besoin de ma corde. Bon, je suis pas une corde près, mais. Oh, le pactole! Il me faut un vendeur avec un pack de 12 bombes à 10 000 dollars. Il me le faut. Sinon, je refuse de continuer. On a vu la blonde en haut à droite. Et une araignée qui va se manger une jarre. Non, merde, loupé. Elle a pas descendu assez bête. Alors attends. Le joyau, oui. Le petit lingot d'or, on s'en fout un peu. Surtout qu'il est pris dans une toile. Donc, je vais pas perdre ce temps précieux.
Oh non, le vendeur qui est en face devant le précipice, mais non, mais non. Mais comment veux-tu que je l'atteigne? Oh là 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 là, ce jeu. Alors là, quid du comment je fais? Non, pilote, il a des bombes qui m'intéressent. Et je merde mon truc. Et cette scène est d'un ridicule absolu. Oh, c'est con. Il me manque quelques sous-sous pour acheter une autre boîte. Oh, vais-je revenir? Je crois. Oui, j'aime pas cette config. Attends. Laisse-moi fouetter la... Voilà. Très bien. Si tu veux y aller, de toute façon c'est par le bas que se trouve la sortie, obligatoirement. Merde. Oh, j'ai chaud. Oh, que j'ai chaud. Et j'ai pas assez de tunas. Ah! On veut de la tunasse pour acheter des bombes ou faire la bombe. Qu'est-ce que c'est que cette configuration de mort? Ça y est. Je vais manquer de temps. Hein. Je vais être exposé aux fantômes. Parce que le temps de remonter, aller voir le marchand, lui acheter une boîte à 10 000 $ de 12 bombes, de reprendre la blonde, de prendre la sortie vers le bas que je ne connais même pas parce que j'ai pas vu le bas du tableau, je vais me faire bouffer le... Hein. C'est... Eh ben voilà. Vous avez des frises. J'ai même pas acheté ma deuxième boîte. Ah! Oulala, vite. Allez là, ma blonde, vite. Viens, idiot. Mine-toi les fesses. Le fantôme est là. Oh, je vais le faire, magnifique. Je l'ai fait. Vous savez, chaque niveau, je finis par vous faire comme passe-partout dans Fort Boyard, chaque fois qu'il y a une clé. Mais je descends d'un niveau. Intense ce jeu, intense. Tellement étrange. Ok. Ah non, il était en haut à gauche. Oh merde. Oh merde, non, déconne pas. Ah, c'est horrible. Ah oui, j'ai fait sauter le truc. On est d'accord. Ok, génial, c'est la mort, ça sert à rien le truc. Merde! Ah, oh, je voulais me raccrocher sur le bord, abruti. Y'a rien d'intéressant là-bas? Ah non, y'a rien d'intéressant. Merde! Aïe, je l'ai très mal géré. Je m'interdis de décrire cette scène. À mon Dieu. Ce serait presque intéressant de démarrer avec une bombe et passer directement en dessous avec tous les trésors. Là, par contre, le tableau est agréable. Ou pas. Qu'est-ce qui est fermé là-bas? J'espère que c'est pas la blonde. C'est comme... enfin, c'est... Pff, bref.
On a déjà vu des trucs tellement bizarres ce matin dans la première session de Spelunky, alors... Oserais-je dire que plus rien ne va me surprendre? Presque. Non, non, ça en vaut pas la peine. Ah non, la blonde est là-bas. La blonde est là-bas, la blonde est... Je l'ai entendue, mais je la vois pas. Ah non, ne me dis pas qu'elle est en haut à droite. Merde, araignée. Oh là, j'ai chaud. Non, je peux pas faire sauter une bombe et que ça pète par le haut. C'est pas possible. À moins d'une bombe collante. Je l'ai officiellement dans le culélé. Elle, je vais la faire péter. Voilà. Très bien. Attends, mais... Ah, le voilà. Le voilà. Oh, les diadèmes sont intéressants. Et là, il y a une caisse de matos, je vais pas l'ignorer. Hop, allez, vas-y comme un grand, toi. Je te rejoins après. Ah ouais, ça ne refuse pas. Ah, c'est le parachute. Ok, il faut que je mémorise que ça, maintenant, c'est un parachute. Je me suis laissé surprendre dans ma première session du matin. Configuration intéressante, cette fois-ci. Oui, mais pour obtenir quoi? Mais y'a rien, y'a un serpent qui se... Hein? Bon, bref. Ok. Bon, bah on se barre. Oh merde, il est déjà là, lui. Me touche pas, vilain. Me touche pas, vilain. Oh, cette esquive dans la chute. Du fantôme. Oh, le pactole. Oh, je vous rappelle que je suis très satisfait quand j'ai 10 000. Là, j'en ai presque le double. Je sais pas quoi faire. Je sais pas s'il y a un truc intéressant là-bas. Je vais pas sacrifier une bombe, j'en ai pas assez. J'en ai pas beaucoup. À moins de 3 bombes, il faut vraiment faire un usage réfléchi et stratégique des bombes. Merde. Oh là, j'ai chaud. Putain, mais c'est l'enfer ici. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a un marchand, il y a une énorme araignée. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce niveau? Ah, et puis la blonde, elle est là-bas. Oh merde. Bah, au revoir la blonde, je me barre. J'aurais tracé à donf le... Enfin bref, voilà, vous avez eu peur vous-même, je... Soupir. Soupir, soupir. Alors attends, parce que la vilaine, elle est coriace. C'est pas une jarre qui va arrêter la grosse araignée. Oh la vilaine. Merde, dommage. Je l'ai tenté, mais ça a merdé. Oh, 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 comment je te mate, ma grande. Merde, je suis pensé. Aïe, 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 pas mal, pas mal. Oui, je l'ai eu, joli. Incroyable ce qui vient de se produire. J'ai gagné le duel contre la grosse araignée. Par contre, je vais peut-être pas gagner le duel contre le serpent, puis de toute façon, ça ne mène à rien d'aller là-bas, alors. Je me barre. J'ai entendu la blonde que je n'ai pas véritablement localisée. Oh, oh là 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 là. C'est la petite qui m'a eu alors que j'ai vaincu la grande. Ah, 12 bombes. Oh,
La boîte de 12 bombes, ah, c'est merveilleux dès le début. Ah, c'est les productions Michael Bay là dans Spin Lucky qui vous sont offertes. Ah. Je vais tout faire péter. Et c'est ça qui est bon. Attends, il n'y a pas un truc à déclencher là? Ouais. Ça, je suis méfiant. Ah! Chiki boom! Chiki boom! Ah, merveilleux. Des bombes pour mieux se doucher dans la richesse. Là aussi, je veux. Oh là là là. Oh là 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 là. Ah, j'aime pas les chauves-souris par le dessus, je les gère très mal. Je les gère très très mal. My question is, where is the exit? Ma question était, où est la sortie? Pas de pique? Pas de pique. Allez, je dépose la bombe là qui va descendre d'elle-même comme une grande là. Enfin, c'est un blond. Bonjour Tomouf, comment que ça va? C'est haut! C'est haut et c'est pas top. Joli. Ouh, je l'ai très bien géré. Ça va? C'est cool. Bah nous, dans l'ensemble, on va bien, merci. Écoute, peinard pépouze. Là, c'est jouable et là, c'est jouable. Alors, attends, mon grand. Hop là. Non, chauve-souris de mes deux. Oh. Non, ça vaut pas le coup, je me barre. Voilà, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Cool, alors j'ai gagné une vie avec le zoubi de Monsieur Bondinet Bogos. Je suis au-dessus de mes 10 000 de sous-sous au premier passage, c'est cool. Et j'ai surtout beaucoup de bombes. D'entrée de jeu, ça fait zizir. Oh, il y a du matos là-bas. Oh, il y a du matos. J'ai vu la caisse d'office. Merde. Ah, oh, c'est super mal configuré. Shit. Alors, matos. Parachute. J'ai une parachute. Et encore des bombes. Ah oh, ouais. Je suis accro aux bombes. J'y vais faire la bombe. Comment je redescends moi sans me tuer? La bonne blague. Je vais descendre par là moi. Hop là. Merci. J'avais. Honnêtement, j'avais pas réfléchi le retour avec les pics. C'est vrai que deux pics successifs, c'est pas bon du tout. Non, là c'est la mort avec la petite araignée. Elle, j'aurais pu la voir, elle fait suer. Voilà, merci. Ouf. Ah oui, ils vendent des bombes. J'achète vos bombes, monsieur. Il y a que ça qui m'intéresse dans la vie, les bombes. C'est horrible. J'ai un léger imprévu, rien de grave. Est-ce que tu pourrais faire durer le direct? Bien sûr, faites fan. T'en fais pas. Prends ton temps, je vais faire plus de spell lucky, hein. Tu dis quand t'es prêt, fun, relax. Y'a aucun souci là-dessus. Message de fun. T'as toi, 92. J'ai un léger imprévu, rien de grave. Est-ce que tu peux faire durer le stream un peu plus longtemps, s'il te plaît? Ah ouais. Répondrai-je à cela. Oh! Ah! Ah, et la bombe est en bas. Ouais, ça fait un côté drama, ouais, c'est rigolo. Enfin, si on veut. Ah, je résiste pas à semer le chaos. Même l'araignée va gicler. Ah non. Oh, elle a du bol. Elle était en haut au bon moment, elle. Oh merde, déjà le fantôme.
Oh merde, le chien est mort. Et moi aussi. Parce que, voilà, la flèche n'a pas été déclenchée, contrairement à ce que j'avais espéré, mais j'ai mal lu le... Oh là là, deux pics de suite. C'est la moelle. Les deux pics de suite de la moelle. C'est un scandale. You. Je vais me tuer de là. Oula, et oh. La peur des hauteurs, là, pour le coup. Tiens, bon. J'aurai des lingots en même temps. Petit caillou précieux, on sait jamais. Ah, comment qu'on fait là, chef? Bah, voilà. Oula, j'ai eu du bol de pas m'assommer non plus. Ah, caisse explosive en bas, ça me plaît beaucoup. Donc c'était par là qu'il fallait que je descende. Ok. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que je peux déclencher le boom? Merde. Joli. La blonde est là. La blonde est là. J'ai aucun intérêt à faire péter la caisse, même si ce serait amusant. Mais je perdrai entre guillemets une bombe pour rien. Donc on va s'abstenir, le gain est nul. Claque. Dommage que c'était pas pour la chauve-souris, ça m'aurait arrangé. Attends. Duel contre la chauve-souris. Ouais. Elle ne sourit plus. Oh oh. Et ça, dites-moi que c'était gentil. Ah oui, il y a un joyau dedans. Joyau, joyau. Je veux la tunasse. Tiens, d'ailleurs, malin. Prévoyant celui qui passe un niveau avec un caillou en main. Ça peut avoir. Ça peut faire la, toute la différence. Ça peut faire toute la différence. Allez, zoom. Le décompte des victimes, je snob. Je snob au touchement. Voilà. Bon, j'avais un caillou, mais imaginez que j'aurais pas de caillou. Vous voyez? Boom. Ah, il y a du matos à côté. Ça m'intéresse. Ah, mais il n'y a qu'une caisse. Ça fait cher du... Oui, j'ai ma petite statuette en or. Et je vais encore vengeur les dieux. J'aime ça. La 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 la. Oui, bah la sortie est par en bas, donc tu vas y aller toi-même. Hein. Qui c'est qui va dégager? Et puis le boulet, il va bien défoncer la montagne. Bon, tant pis si mon dîner y passe, hein, mais... Vous me connaissez, je ne résiste pas. Oh, il avait des bombes? Oh, je vais les lui voler. Allez. C'est moi le boulet. Moi il est fâché, le vendeur. Oh. Oh. Attends. Laisse-moi lui tomber dessus. Que je rigole. Attends. T'es où? Et puis là. Oh, c'est dommage. C'est gratuit pour moi. Alors, saute, petit, danse. Allez, danse. Voilà. J'ai relancé le boulet, vous avez vu? Je suis un monstre. Bon, il est évident que tous les vendeurs de tous les niveaux désormais vont m'avoir dans le viseur. Ma blonde, je sais même pas si elle est encore en vie. Ah oui, merde, dommage. Qu'est-ce que je fais? Je vais la chercher. Oh. Non, merde, il y a déjà le fantôme. Et puis j'y arrive pas, donc tant pis.
Mais voilà. Je suis heureux du dénouement. Comme un parfum de revanche. C'est moche. Et lui, il m'en veut pas, lui. Il tient une roue de la chance et lui, il s'en fout. Visiblement. Oh non, c'est moche. Si muche. Oh, la vilaine araignée. Que je peux ne pas déranger, donc je vais pas prendre de risque. Ah oui, vous voyez, wanted. Ma tête est mise à prix, vous avez vu. Ah si, il peut sortir de son truc. Mais il est con, lui. Mais il va se tuer. On court pas comme ça dans le... Mais il est cinglé. À moi le prix. Il a quitté son poste. Eh, on la tente. Moi, je force. Hein. Vandale jusqu'au bout. Hein. Oh, c'est un module de téléportation. C'est... Wow. Le côté chiant du module de téléportation, c'est qu'il faut se le coltiner tout du long en le portant. Et c'est pas finalement... c'est pas si top que ça. On pourrait croire, mais... Merde, merde. Oh, bon, là, alors là... Ouh là là. Oh, cette configuration... Oui, oui, je t'ai vu, monsieur Moulinet, je t'ai vu. T'inquiète pas, on part ensemble. Bon, le problème, c'est que l'autre est pas mort. J'aurais aimé que l'excité se tue, mais c'est pas le cas. Évidemment, il m'attend la sortie. Évidemment. Bon, c'est la blonde. Attends, il s'en sort ou il meurt? Ah, il s'en sort. Ça va, il s'est pas pris de chevrotine. Est-ce que je fais danser papy au fusil? Oh, 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 oh. Les productions McElbey présentement. Burp. Fais péter. Oh merde. Ah! Il m'a décongestionné, le salopard. Ah, ne jamais s'attaquer aux marchands. C'est la guilde la plus puissante. C'est la guilde de la tunasse à flot. C'est scandaleux. Aïe, aïe, aïe. Ah. Alors que je joue de la bombe, là. Voilà, comme ça. Ah, j'entends la douce voix d'une demoiselle qui appelle au secours. Ah, oh, dans quoi elle se trouve, elle. Oh, alors, il y a de l'or, mais il y a les flèches en dessous, donc... à moins qu'une pépite tombe et déclenche le piège. Allez, l'aventure, c'est l'aventure. C'est ça, il s'est produit ce que j'avais calculé. En fait, la pépite m'a sauvé. C'est beau. Mon calcul était correct. Wababa. Wababa. on va passer par le bas. Hein. Merde, Doom. Heureusement qu'il n'y avait pas d'ennemis dans la jarre. J'ai très mal géré. Attends. Ah, on voit la sortie en contrebas. Alors attends. Il est urgent d'attendre, comme disait mon ancien. Un de mes anciens supérieurs. Aujourd'hui à la retraite. Il est urgent d'attendre. Ah, dommage. Ok, je peux. Waouh! J'avais déjà zappé l'araignée, moi. Je la voyais tellement facile que je l'avais sous-estimée. Ah bah d'accord, il n'y a plus rien. Je me barre. Il ne me reste plus qu'une bombe. Ça, par contre, c'est pas cool. Euh,
Une seule bombe, c'est pas cool du tout. J'ai la thunasse. Aurais-je le marchand avec la boîte de 12? C'est vraiment souhaité. Je fais n'importe quoi. Joli. J'ai comme jargon vert. Bro. Ah oui, le coffre est juste en dessous. Ouais, mais j'ai qu'une bombe. J'en aurais plusieurs, j'aurais pas dit non. Mais c'est pas le cas. Oula, il y en a du monde. Tiens, et toi, mange le coffre. Hein, j'ai merdé. Donc. Oh, joli! J'ai beaucoup aimé la combinaison que je viens de faire, là. C'était stylé. Oh! Oh! Ah, bah non! Le truc, il est devant moi, puis... Oh, remarque, j'ai 4 cordes. Allez, hop. Allez-y. Ah, mais oui! C'est vrai que j'oublie à chaque fois que ça me permet de voir les joyaux dans les murs. De l'intérêt de mieux localiser ces bombes pour avoir de la thunasse en même temps. Et hop là! Voilà, c'est comme ça que vous m'avez. Ah bah d'accord. Merde, il a rien qui m'intéresse lui. Ah bah c'est ballot. C'est ballot. Mais qu'est-ce que j'ai foulé cette bombe? Non, une bombe, ça n'ira pas. Oh la vache. Je peux tenter quelque chose. Mais il faut vraiment que ma bombe pète les deux blocs en dessous. Et c'est foutu. Et merde, je pourrais pas le sauver. J'aurais tenté, hein, mais non. Non, non, non. Ah merde, j'ai plus de bombe. Ah là, par contre, c'est vraiment craignos. Ah bah tiens, il a un petit sac à vendre. Joli. Double joyau. Ouais, bah voilà. Non, bah non. Encore que les cordes. Je ferais peut-être bien d'acheter les cordes. Oh là là, c'est quoi cette fosse à araignée, chauve-souris et tout ce que tu veux. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, 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 je me barre, la 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 la. Je quick mes poursuivants. Je tweak mes poursuivants parce que c'est important. Oui, pour un joyau, on s'en fout que ça. Elle est où la bombe? Oula, je tac. Oh non! Mais qu'est-ce que... Oui, bah non. Je boude le niveau, là, clairement, parce que... Vu le tableau, laisse tomber. Le jeu en vaut pas la chandelle. Oh, j'aimerais tellement avoir un marchand qui me propose des boîtes de 12 bombes. Oh, la fosse à serpent. Voilà. C'était toute mon exaspération en un bruit trop bizarre. Et voilà. C'était sûr que j'allais me faire avoir par un cobra. Ah! D'ailleurs, je sais même pas s'il faut que je remonte ou pas. Oh, oui, 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 oui. Non, mais lui, il faut l'éliminer d'urgence. Voilà. Non, faut pas que je saute trop. Faut pas que je saute... Attends, il y a une bombe là ou... Il y a la fosse au serpent, ok. Il y a ça qui est dangereux. Voilà, merci. Bof, ce qu'il y a dans la fosse au serpent ne me plaît pas forcément.
Ah merde, j'avais oublié la toile. Voilà. Au moins ça me fera un projectile en cadeau. C'est toujours cette prix. La sortie. Ah d'accord. Ok, c'est pas trop méchant. Faut se méfier du cobra de l'arrivée. Ah merde, il y a une chauve-souris aussi. Oh mon dieu. Oui. Ce magnifique coup double m'assure la victoire. La victoire. Ah, j'avais pas remarqué que j'étais déjà à la jungle. La jungle de la muerte. Ils ont une bonne manière de dire bonjour hein, dans le jeu. Oh, qu'est-ce que je vois en bas? Que vois-je? Quoi? Oh mon dieu. Avancez très prudemment. Ou elle, je l'aime pas. Ah, elle va péter. Bah. Ce qui peut être... Ah, j'ai vu la blonde sur le côté gauche. Afraid of my blonde. Que j'irai pas sauver à mon humble avis. Alors attends, si j'atterris bien. Merde! Mais je croyais que la grenouille allait rester sur place moi. Je voulais rebondir sur elle pour amortir mon choc. Mais merde. Excusez-moi. J'exulte de rage de surprise. Hein? Bon. Merde homme. Comment elle m'a feinté l'autre? Mais comment veux-tu que j'essende là-dedans sans mourir? Pff, plein de carnivores. Oh, puis il y a monsieur Sadomaso qui m'a... Non mais c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ces niveaux de ma boule là? Oh là là... Comment veux-tu que je gère ça, moi? Bon bah le... Hein, Tipeee a pu... Tipeee a pu... Faut juste espérer qu'elle ait pas de portée, la vilaine plante. Tiens, attrape. attention les piques. Touk. Allez, mange. Et ben voilà. Voilà comment qu'on se débarrasse d'une vilaine plante. Oh. Gants de... d'escalade. Toi, je t'aime pas, monsieur Sadomaso, là, qui joue un 2-3 soleil. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, bravo. Ah, il s'est offert sa séance de... Wouh. Alors que Maître Crapaud attend devant... hein. Mais non, mais non, mais... Ça devrait être interdit, le... Ah. Ah! Je suis pressé, excusez-moi, poussez-vous. Piranha, je veux pas te voir, je m'en fous, tu comptes pas. Toi, tu te barres, tu meurs. Non, non, je vais mourir, je vais mourir! On va tous mourir! Lésion cérébrale, ah bon, ça a été ma mort? Alors que le fantôme dévore mon âme. Au moins, j'aurais atteint la jungle. Voilà, j'ai tenu ma promesse. De qui je peux te peu... Que je peux le répéter. Alors, ah oui, mais non, mais je vais déclencher la. Voilà. Ah, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant du tout. Ah merde, il y en a des trucs par ici. Merde. Ah, je la voyais pas me toucher. Elle est parvenue à me rattraper, la peau de vache.
Ah, tout ça pour ça, c'est un peu... Hein. Bon, au moins, je peux lire le bas du tableau. Ouais, c'est la misère. C'est la misère, c'est la misère. J'avais tout fait par là-bas ? Non, 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 non. Eh oh, il y a des choses, là. Il y a des choses. Alors, ça, c'est moche, par contre. Oh, j'avais si bien amorcé mon... Je me suis trop présenté dans le gouffre. Ouais, là, 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 là. On voit que je manque d'expérience. Ça aussi, c'est dégueulasse. Ouais, non, je passe le truc. Bah, elle était où, la blonde? Hein? La bonne blague. Bon, de toute façon, si c'est un ennemi, il va crever. Si c'est un joyau, je vais le récupérer. Voilà. Eh ben, dis donc. Et un petit caillou pour avoir un bonus au prochain tableau. Enfin, le bonus d'avoir de quoi désamorcer un jeu de flèches. 10 000, correct. Je suis dans ma moyenne. Ah, la blonde est là. La blonde, est là. La 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 la. C'est la première fois que je vois le la clé en bas et le coffre verrouillé en haut. Sympa. C'est apprécié. Attends, est-ce que sur le côté j'ai intérêt à me balader? Oh! Je savais pas qu'il pouvait y avoir des objets cadeaux dans, planqués dans le dans la pierre. Oui, allez, soyons fous. C'est... Pourquoi pas? C'est vraiment original. Hop, là j'ai mis des cordes. C'est quoi ça déjà? Je sais plus. Ah, c'est un flingue. C'est le flingue giga méga kappa de la muerte. Hop là. C'est rigolo le son que ça fait. Bing, bing. Bing. Ah, attention, il y a du recul. Je savais pas qu'il y avait du recul avec ce flingue. Il va falloir... Oh merde, elle est morte la malheureuse. Elle est morte, la malheureuse. Ah, ça cryogénise. Alors, viens par ici que je te jette un froid. Merde. Con, je suis tombé avec mon jouet. Alors ça, c'est... Non, ça, alors ça, c'est abject. Une arrivée comme celle-là, c'est abject. Oh là 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 là, la vilaine. Elle veut me réduire en bouillie pour mieux me manger. Pour mieux me manger. Elle continue, je crois. Elle continue. Oh la vilaine bête, regardez-moi ça. Tiens, j'en profite pour boire un coup face à ce sinistre spectacle. Le butin est beaucoup trop faible comparé à l'effort demandé et surtout le temps requis. Bon, oh, alors lui. Je passerai presque à la verticale. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Hop là. Hop là. Nickel. Oh, ce professionnel. Like a professional. Ça me coûte cher en bombe quand même cette aventure. Je tiens à le spécifier.
à le notifier, à le sanctifier, ou encore à le titifier. Oh oh, c'est moche, mais c'est efficace. Boing. Oh, la tunasse! Je veux me doucher dans la tunasse. Ma cupidité aura raison de moi. Non. Non, 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 parce qu'il me reste plus qu'une bombe et stratégiquement, ça la fout mal. Ça la fout mal. Alors, ma blonde, elle est où? Oula. Oh non. Voilà. Du coup, je suis contraint d'utiliser une corde pour pouvoir revenir ici. Ah oui. Vite, avant que le fantôme arrive. Vite. La la la, la la, il est là. Il est l'heure de se barrer. Mission accomplished. Merde, j'avais pas de cailloux. Ah, j'ose pas. Voilà. Ah, non, bah, j'ai bien fait de... Voilà, comme un cheval, je répondrai. Le fait que je sois totalement désabusé. Non, je peux pas. Elle va me tomber dessus, c'est sûr. Ah, c'est moche. Oh! Attends. Monsieur a des bombes. Donc je vais en acheter, je peux la sacrifier. j'ai lu dans le futur. Merde, j'ai pas lu qu'il y avait des ennemis ici, merde. Excusez-moi. Acheter boussole ou acheter... Laisser tomber. Oula. Oulala. J'aimerais bien avoir en bonus la... La pierre. Attends. De l'intérêt stratégique, hein, vous le savez maintenant. Ok. Viens avec moi. Arrête de faire l'idiot et viens avec moi. Evacuate. Alarme. Bam, 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 bam. Et j'ai pas pris la pierre. Voilà. Washi. Eh ben, en guise de punition, on va faire ça. Ouais. Ouais, bah je crois que la flèche va me servir de projectile là aussi. Voilà. Oh. Ah, c'est la flèche tombée à la verticale que je viens de me manger. Oh là 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 là. Je me disais, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver là? Joli. Villain bait. Oh, que j'ai envie de tout faire péter, surtout qu'il y a un scorpion. Ah, la temptation. La temptation du diable. Ah, oh, c'est chi délicieux. Merci. Mmh.
Ah, 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 ah. Je ris. Je ris de voir un tel boom. Allez, j'en ai, je me fais plaisir. Et voilà, une araignée en moins. Et boum. Et boum. Et boum. Ah oui. Magnifique. J'adore ça. La tunache, elle est à moi. Wouh, comment j'ai esquivé l'araignée. La blonde, elle est là. L'araignée, elle reste en bas. La tuna, c'est à moi. On fait comment? On fait comme ça. Je frémis d'effroi. Ben. Hop là. Ah, allez, pour une petite pépite. Et un caillou de sécurité. Enfin, s'il veut bien venir avec moi, le caillou. Ce niveau a été totalement maîtrisé. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Ouch, 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 ouch. Merde. Ah. J'ai merdé. Oh. Alors le chien est mort, mais l'araignée est géante aussi. Qui est cool parce que j'ai récupéré sa glu à la vilaine. Attends, je serais tenté d'aller là, mais oh, mais je vais me la faire. Merci, pardon. Oh, cobra, le méchant cobra qui garde je sais pas quoi. Il garde les ténèbres, lui. Alors... Merde. C'est pas comme ça que ça devait se passer dans mon plan. Merci. Wow. Je suis pas descendu là où je voulais. C'est cadeau. Oh la malheureuse. Attends. Le cobra, je peux pas le blairer. Voilà. Oula, par-dessus le pic, j'ai pris des risques inconsidérés. Qu'est-ce que j'ai pas vu là? Donc la blonde est morte, hein. Le chien, faut pas. On l'a vu, il est en PLS. À tout jamais en PLS. Allez, destination la jungle. On va tenter la jungle. Ah, il arrive. Il arrive dans la jungle. Ah, arrive, arrive. Je n'y survivrai pas. Burp. Je le sais déjà. Bon, j'ai l'avantage d'avoir des bombes gluantes. Oh non. Et d'avoir la vision de Kali. Oh, j'assure ma descente où moi dans ce bazar. Pour pas dire autre chose. Je vais peut-être essayer de mater le macaque en dessous de moi là. J'ai dit essayer. Bah, c'est bien, va me déclencher des trucs, Sadomaso. Va mourir pour moi. Va mourir pour la blonde, j'y crois pas du tout. J'abandonne. Oula. Non, j'ose même pas.
J'ai tellement peur de me faire avoir par le... Mais attends, mais comment je descends sans me casser la binette, moi? Il est drôle, lui. Bon, j'ai un petit peu de... Ah, c'est de... D'accord. Oh! 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 Ah oui, j'ai passé une. Pareil photo, pioche. Eh, la pioche est vachement pratique, c'est vrai. Qui c'est qui voulait un peu d'or? J'étais pas monsieur le marchand. Ah oui, mais si je fais péter ça, je fais péter mon... Alors, j'espère qu'il va pas le prendre comme une agression. Ça va. Attends. Attends. Oui, mais j'ai pas assez. Oh, faut que je rejoue de la bombe. Excusez-moi, monsieur le marchand. Je grappille l'or là où il y en a. C'était combien la pioche? Merci, monsieur le marchand. Parce que maintenant, je peux faire ça. Et ça, c'est la vie. Bah. Je suis bien équipé. Ça va garder ma pioche. Incroyable. Deuxième zone de la jungle. Que m'arrive-t-il? Je me transcende. C'est surtout que j'ai de la chance. Vraiment. Oh non! Ma chance a tourné court. Oh non! Allez vous faire un papaouté. Je vais garder ma pioche. Hein. Je ne veux pas prendre la... Hein? Je vais avancer à pas... Ah, je vais pas avancer du tout, oui. Oups. Génial. Il n'y a absolument rien. Bon, alors attends, je pose la pioche. Je prends la torche. J'allume ce truc qui me rapporte de la thune. Je vais lancer la torche pour voir ce qu'il y a là-bas au loin. Mais... Ah! Il y a un hôtel sacrificiel de Kali, dis donc. Attends. Ah! Ah! Mais et si j'ai la pioche... Je peux vider les bassins, non? Est-ce que je peux dire que je piochais en bas? Ah non, je peux pas. C'était quoi? Je vois des choses! Et attention. Elle est bizarre, la physique du jeu. Elle est vraiment bizarre. J'aurais pas cru, voyez. Ah, oh, si je... Je sais pas comment procéder en fait. Merde! J'ai pas vu que je suis tombé! Oh le con! Oh la chauve-souris va me faire suer. Mais non, mais. Mais va mourir la chauve-souris! Oh, magnifique. J'ai très bien géré là. Tiens, d'ailleurs, une montagne pour ça. Ah oui, je veux de la tounache. Oh oh. Oh. Alors, elle et moi, on va pas s'aimer. Ouch. Mon dieu. Ah oh, mon dieu, que m'arrive-t-il? Où suis-je? Où vais-je? Mais c'est horrible! Merde, ma pioche, elle est tombée. Ah! Ah! Oh! Ah, vite, 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 vite! Creuse! Oh non, pas lui. Merci. Je me barre. Elle est où, la sortie? Non, ma pioche! Elle m'a coûté trop cher. Ah! 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 La sortie! Ça, 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 ah, 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 que le grand cric me croque. Elle est où ma pioche? J'ai perdu ma pioche. Mais j'ai passé. Je suis jamais allé aussi loin. Au secours.
Au secours, maman, j'ai peur. Tiens, toi, tu vas te manger une bombe, je le sens. Oh non! Non, je lui avais sauté dessus, monsieur l'arbitre. Oh, il y a du matos en haut. Lui, ça rend fou, complètement. Complètement. Complètement, complètement. Ah! J'ai libéré la... J'ai libéré la vilaine! Mais non, mais... Ah bah tiens, il n'y a plus de bassin à... Ah, elle va déguster, elle. Voilà, merci. Oh! Une blonde! Tiens, j'aurais jamais cru. Bonjour, toi. Enfin, une blonde au masculin. Oui, oui, ce jeu rend fou dingo. Je... Pardon. C'est quoi cette config de mort? Y a quoi en dessous? Non, je regrette mon choix. Tiens, attrape. Oh, joli. Oh merde, le Tipeee, même pété en deux, il marche encore. C'est horrible. Ah, 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 ah. Oh. Non, 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 je me pars, je me pars. J'ai cliqué avant dans tes dents. Oh. Non, c'est pas possible, je ne peux pas passer la jungle. Qu'est pas ça? J'ai la bénédiction des Kali? Que j'ai pas fait des sacrifices? Si, je sais plus. On garde son sang-froid. Oh? Oh bah la blonde, elle est mal barrée. Oh. Oh, lui, je l'aime pas. Quand il tourne le dos. Bon. Fais-moi le malin, hein. Merde, il est encore en vie, ce con. Ah non. Non, non, il est mort. Ouh, ouh. Ah, ouh, ouh, ouh. J'ose pas y aller, au secours, maman, j'ai peur. Je récupère mon caillou bonus. Hop là. Monsieur Sadomaso me déplaît beaucoup. Il va me charger quand il va me voir. Attends, la suite c'est quoi? Si je fonce là-bas. Allez, qui tente rien à rien. Vite! Il m'a pas vu. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. Pardon? Vesgebe. Oh oh. Nope. Ah! Il m'a fait peur. Merde. Alors là, je regrette qu'elle soit collante. Ce niveau. Bien bonjour, je suis l'homme des galeries et moi l'homme des cavernes. Au turban, on s'en fout. Oh, j'essaie de creuser un raccourci, mais un énorme rocher me bloque le chemin. Tu m'étonnes. Alors, pouvez-vous me donner deux bombes? Non. Pour que je le fasse exploser. Ah, je peux donner de la thune. Peut donner de la thune. Malheureusement, il semble que vous n'ayez pas assez d'argent. Je savais même pas que les raccourcis se payaient. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça veut dire que j'aurais pas accès en bonus, en entraînement, à la caverne de glace.
Peut-être la prochaine fois. Pourquoi ai-je envie de lui présenter mon majeur et bien au fond de son seul œil qui lui reste? Pourquoi? Ah, j'en reviens pas que je viens de passer la jungle. J'en tremblerais presque. Ah, la caverne des glaces. Ça, c'est une voix. Ça, c'est une voix. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais il y a des aliens qui font péter des blocs là avec des bombes à la verticale. Non mais non mais non. Mais non mais là, oh. Si c'est le joueur est rendu fou, les développeurs l'étaient tout autant. Hein. Et eux avant. C'est ça. C'est bien, tu m'as pas loupé. Bien vu, Funfan. Mais voilà quoi. Oh, je la sens pas du tout. Attends, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Attends, puis je peux pas rester 3 heures. Oh, c'est un. Oh là 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 là. Oh, on a découvert les Yetis. Les Yetis se reproduisent ici en toute sécurité. Merci, monsieur Yeti. Merde, qui est pas mort. Je suis dans la merde. Je suis dans la... Ah! Ah. La sortie est par là. Merde! Je voulais qu'il retombe sur lui, mais j'ai pas pu. Bon bah, je suis foutu. C'est le néant en bas ou... Mais je suis comment, moi? Mais non, mais je vais mourir. C'était quoi, ça? Comme ça? Effectivement, il n'y a pas de fond. Les abysses. À l'aide, je tombe toujours, c'est horrible. Un puits sans fond. Un puits sans fond aura eu raison de moi. Oh, mais là, j'ai eu un coup de chaud, là, vous voyez? C'est dégueulasse. Tout ça parce que j'avais pas de bombes. J'avais pas le droit aux cavernes de glace en raccourci. C'est honteux, c'est honteux. Vraiment. C'est scandaleux. Je fais n'importe quoi. Ça y est, je ne suis plus moi. J'aurais jamais dû aller là parce que j'ai aucun gain. Tu parles la jarre, il y avoir un serpent dedans. En pire, en scorpion. Mais bien sûr. Oh, que de repoteux, Newfie, le poteux. Ah, j'ai eu droit à un dédommagement. Oh, quelle aventure! Ah, et oh, ça se refuse pas des petits fragments de pépites en or. Merci, messieurs. Bah. Non, ça va me faire bobo. Bon, allez, j'ai gagné des bombes. Chiki boom, ki boom, chiki boom, boom boom. Et hop là, la flèche. Très bien. La flèche qui m'indiquait que j'avais un fond, hein, contrairement à la caverne des glaces. Tac. Merde, oh, j'ai merdé mon coup. Je suis déception. Qu'y a-t-il là-bas? Oh, ah bah. Pff. Juste pour déclencher une vilaine araignée, non merci. C'est sans moi. Oh, j'en reviens pas, j'ai passé la jungle.
Ah, je vais pas m'en remettre. Je me méfie du squelette de mes deux là. Ah, j'ai déclenché un piège. Oh, les caisses sont intéressantes. Les caisses sont intéressantes. Où est la bombe? Oh merde! J'ai trabâché. Bah. Oui, non. Oh! C'est. Oh! Alors là, je viens d'apprendre un truc. Je savais pas que je pouvais m'amuser à choper un rat. Je savais pas que les rats se chopaient dans le jeu. D'accord. Pourquoi j'ai balancé ma caisse, moi? Bon, là, si je peux assommer du monde, je dis pas, mais. Bon, sauf que j'ai merdé mon coup. Mais... Ah, j'ai un petit souci. Alors, à quel moment je descends? Voilà. Comme ça qu'on fait. Et la sortie, elle est où? À gauche ou à droite? Visiblement, elle est à droite. Alors attends, tu viens avec moi, je fais péter une bombe, la jolie bombe. Ah, on peut saisir les rats et s'en servir. Alors ça, pour une découverte, c'en est une. Alors que j'ai merdé la lecture du tableau. Non, la sortie était à gauche. Bah merde alors. Attends, du coup je peux... Tant qu'à faire, autant récupérer le butin. Ah oui! Oh là 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 là! Allez, zou! Burp, burp, burp. Oh, l'escroc! L'autre qui veut deux bombes pour déverrouiller le passage en entraînement. Ah, oh, je suis deg! J'aurais adoré vous faire des entraînements sur la caverne des glaces. On l'aura aperçu. C'est miraculeux ce qui s'est produit, vraiment. Ah. Gauche ou droite? Oh le con. Voilà. Honnêtement, là, je le méritais. Honnêtement. C'est, j'ai fait nimp. J'ai fait nimp. Oh. Oh oui. Ah ouais. Tiens d'ailleurs. Allez hop, ça c'est fait. Tiens, elle aussi, on sait jamais, je sais pas, le serveur peut-être en bas. Ou pas. Pardon. J'ai un rototo de gaz. La la la, diga 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 diga. Elle est où la blonde? Elle est là. Qu'est-ce qu'elle fout là? Oh là là. Bon bah allez, c'est bien parce que j'ai X bombe. Ah attends. Un sou est un sou. D'accord, ok. Ouais, bah c'est ma dernière session d'essai, et puis... N'hésite pas, voilà, à peaufiner ta préparation. Peut-être ai-je intérêt à passer par là, moi. Bon, là, j'ai de la tunasse. Oui, je pense que j'ai mon flair. Non.
Je lui avais atterri dessus, c'est dégueulasse. L'autre, il m'a refusé le fait que je lui mette les deux pieds dans la gueule, hein, littéralement. Non, ça vaut pas le coup. Là, par contre, j'ai... Merde ! Je voulais sauter, j'ai pas pu. Oula. Vaut mieux passer par le bas parce qu'il y a de l'or, alors autant faire péter l'or. Ça me rapporte encore de la tunasse en même temps. Allez, vite! Le truc que je... Oh, c'est dégueulasse, ça a condamné l'entrée. Heureusement qu'il me restait une bombe. Mais ce jeu, parfois, vous fait des doigts d'honneur, vous avez pas idée, quoi. C'est un son délicieux. Merci pour le GG. Je veux pareil avec mon vrai compte en banque. Crédit, 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 crédit. Alors. J'ai plus de bombes. C'est vrai qu'à cause de ce tableau 1, à cause de ce tableau honteux, je n'ai pas de... Oh là là, cette configuration de la moitié. La blonde va me servir. Ouais, je suis désolé. Mais là... Ah oh, non. Non, ces trucs ne me plaisent pas en marchant. Ah ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Hop là, comme ça. Ouais. Oh ! Ils sont méchants. La contemplation du vide. Mais... Merci. Hop là, moi je veux mon caillou de garantie là. Merci. Tout plein. Je la vois. Mais non. Non, non, non. Adieu, la blonde. Hein. T'es très, très mal localisé, ma grande. Tu es très, très mal localisé et je n'ai pas de bombe. Oh, bonne mère. J'ai eu un miracle, là. Bon, lui, je l'ignore copieusement. Ah merde, je pensais me rattraper sur le rebord, mais j'ai pas pu. Donc, pique, je suis mort. Bon, bah, mon aventure s'arrête là. Alors, attendez, j'aimerais voir quand même. Tu devrais avoir honte. Je te le dis, tu dois avoir honte. J'aurais dû avoir l'accès aux cavernes de glace, c'est scandaleux. Bouh, je boude. Alors, je vais vérifier avec vous, mais du coup, j'ai un succès, là. J'ai un succès.
explorateurs de la jungle, atteignez les cavernes de glace. 23,7% des joueurs, 23,7% des joueurs ont, ou joueuses évidemment, de facto, ont débloqué ce succès. Donc je me distingue déjà d'un tiers des joueurs de Spelunky à être allé au-delà de la jungle. Mon ego est brossé proprement. Trois succès sur 20. Oui. Tout doux, tout doux. J'ai joué que 38 heures. Oh non, tout cumulé. J'ai joué plus de 38 heures. Il y a un bug dans mes stats. Enfin bref, on va. Je vais te faire relais de chaîne, fan. C'est la folie. C'est la folie, je n'en peux plus. Je suis perdu. Je sais plus où qu'il faut cliquer. Dites-moi tout. Je vais me déclarer en just chatting pour demain. Parce que demain matin, je sais pas pourquoi je commencerai. Peut-être Far Cry 2, mais rien n'est sûr. On verra. De toute façon, on n'est pas à demain. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là, merci FunFat pour la modération, merci s'il y a eu des clips, je sais plus, mais au moins merci, on va dire, rétroactif à Envers Torota qui m'a fait une tonne de clips sous Flatout, entre autres autres jeux, merci de votre présence, merci Nayone hein, tout à l'heure pour l'astuce de Flatout 2 qu'on fera prochainement en multi du coup. Et on va filer chez FunFan pour encore de l'or, rêver. La cité d'Eldorado, avec deux escrocs espagnols. Alors, je vais pouvoir vous en dire plus, parce que j'ai regardé le documentaire que m'avait passé Twinsen sur l'œuvre, et c'est fort intéressant. Alors, je ne sais plus comment on fait. Red, voilà, mon cerveau s'est effacé. C'est dire le l'émotion qu'est la mienne. Comment ça? Nom d'utilisateur invalide. Raid à FunFan 1992, c'est... Oula! Bon, de toute façon, il faut que j'ouvre mon interface de... mon navigateur internet. Là, vous entendez Opéra chanter. Cette intro, franchement, ils auraient pu s'en passer. Ça alourdit le navigateur pour rien. Il se la pète en mode « M'as-tu vu, c'est Opéra ?» Ouais. Je préférais vraiment la version modeste de précédente. Mais bon, les créateurs et programmeurs assument leur choix. Hein. Alors, est-ce que je peux le faire via le chat intégré? Voilà, le relais de chaîne a été créé. Allez, Zou, on file te voir, FunFan. T'as lancé. Mince, ça c'est un ralenti à moi. Alors, oulala. Bisous tout plein, bon après-midi tout le monde. Bon courage pour la suite. Bon direct à toi, Christella. Je sais que tu vas faire ton direct tout à l'heure vers l'heure du goûter. Je te passerai te faire un coucou en soirée. Là, dans l'immédiat, FunFan pour Eldorado. J'ai des choses à vous raconter sur l'œuvre. Prenez soin de vous, bisous, ciao ciao. Bah alors, j'avais même pas à me joindre à l'appel, c'est fou ça. C'est fou. Ah, voilà, c'est... Voilà, je règle les problèmes d'écho. C'est bon. Écho. Bonjour, le salut.